par rapport à un industriel qui, lui, va produire des pièces par quantité. Moi, je fais de la pièce unique. C'est de la passion, c'est de la vraie passion. Je m'appelle Bernard Huguenet. Je suis installé à Chissé-sur-Loup, un petit village du Jura, proche des Salines d'Arc-et-Senans. Mon métier, c'est la ferronnerie d'art, côté art artistique, puisque je fabrique d'après des projets, des dessins, des idées vraiment personnalisées des gens. Des fois, on fait des trophées également, des sculptures pour représenter un concours. Mon métier, je l'ai appelé « faire sa passion », FER, le jeu de mots. Je travaille principalement l'acier, ensuite l'inox. Le zinc et le cuivre sont destinés au martelage pour donner des volumes aux girouettes et sculptures. Je vais prendre l'exemple d'une girouette. Alors, on a établi déjà le sujet. Donc, soit il est issu d'une recherche d'image, soit c'est peut-être déjà un dessin fait par mon client. Alors, nous sommes dans l'atelier et je m'apprête donc à réaliser une girouette d'une commande d'un client. Et je vais transposer ce dessin sur la tôle pour la découper ensuite au plasma. C'est une torche manuelle. En fonction de l'avancement du travail, je peux ajouter et affiner des choses comme ça personnelles sur cette création. J'ai eu une première stagiaire, Barbara, qui est venue déjà l'année dernière, qui a suivi des formations à l'école de Saint-Amour de ferronnerie d'art. Alors, je m'appelle Barbara Gilles. Je suis en deuxième année de CAP en gravure modelée. Ce qui m'attire dans ce milieu-là, c'est les dessins, l'art, le côté artistique, la création. Une deuxième élève est venue pour travailler la ferronnerie, là cette fois, découper et créer comme les girouettes, les enseignes. Donc je leur transmets effectivement des savoirs, des secrets. Donc moi c'est Lizzie Chanusso. Donc je suis en deuxième année de CAP de ferronnerie d'art. En fait je suis en pleine réalisation d'une girouette. Donc elle a été découpée au plasma et du coup il reste qu'à meuler un petit coup et passer un coup de peinture et voilà. Elles aussi sont passionnées et ont envie de créer dans différentes matières. Elles ont envie justement d'apprendre à souder, à découper l'acier, mais elles veulent l'intégrer aussi dans d'autres matières, le bois, la pierre, dans différents matériaux pour créer des pièces uniques. Mais c'est avec plaisir que je leur transmets également ma passion et leur passion commune.